Il y en a pour tout le monde dans l'émission de cette semaine. Ceux qui sont contre la drogue, ceux qui sont pour la drogue. Et ceux qui vendent la drogue. Voici une des entrevues les plus surréalistes que j'ai faites avec un fonctionnaire du ministère du Revenu qui, je crois, en avait fumé du bon. Monsieur Donald Soucy, vous êtes enquêteur à Revenu Québec. Est-ce que c'est vrai que les trafiquants de drogue et les revendeurs de drogue doivent payer de la TVQ et de la TPS au gouvernement? En fait, la personne doit faire de la taxe sur tous les biens et services, y incluant les stupéfiants dans la mesure où ils ne sont pas détaxés par la loi. Donc, un pusher pourrait me demander, moi, pourrait me dire, bon, c'est 15$ pour du pot, plus il va calculer la TPS et la TVQ. Il serait requis de faire ça. Que ce soit 2$ ou que ce soit 250 000$, il doit remettre l'argent qu'il a perçu à titre de taxe. Mais donc, aux yeux d'un policier, un trafiquant de drogue, c'est un criminel, mais aux yeux du ministère du Revenu, c'est un commerçant. Absolument. Bienvenue à Revenu Québec. Je vous aider. Oui, bonjour, monsieur. Je suis travailleur autonome, j'ai une entreprise, puis je me demande si je dois payer de la TVQ, TPS, concernant, selon le type de mon entreprise. Dans quel genre d'activité êtes-vous? C'est enregistré, ça, les conversations? Des fois, okay. Ça se peut que ça le soit, si okay. Vous dites que vous ne voulez pas que ça le soit. Revendeur de drogue. OK, ça, c'est taxable. C'est taxable, ça? Oui. C'est-à-dire, il faut que quoi? Il faut que j'en paye? Quel genre de drogue, s'agit-il? du pot puis de la coke. OK. C'est taxable. C'est taxable, ça? Oui. Je mets quoi sur mon formulaire? Je mets comme type d'entreprise, je mets quoi? Revente de drogue, c'est ça? Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça? Mm-hmm. Trafic de drogue, en fait, pour être plus court. Ça pourrait être ça. C'est vrai qu'on peut percevoir ça de différentes façons, mais chez nous, on n'en a qu'une seule mission. C'est la mission du ministère, c'est de percevoir les taxes. Même si c'est sur des activités illicites, immorales, illégales, on s'en fout, on perçoit des taxes. C'est l'ensemble de la population qui est visée par des règles fiscales. Et dans ce cadre-là, que tu sois criminel ou non, je pense que nous, n'y voyons aucune différence. Fait que je vous envoie l'argent, puis tout est correct. Oui. Même que vous gardiez vos factures. Mes dépenses? Il faut que je garde les factures de mes dépenses? Oui. Ben là, j'ai... Pour pouvoir récupérer vos intrants. Ah ouais, mais là, ça, c'est mes balances. Vos balances? Mais... Ce que vous achetez de vos fournisseurs? Ce que j'achète de mes fournisseurs? Faut qu'ils vous fassent des factures. Mais puis mes voyages en Colombie, ça marche-tu? Ça peut-tu fonctionner comme... Si c'est dans le cadre de vos activités commerciales, oui. Si c'est dans le cadre de mes activités commerciales, je peux faire ça. C'est sûr que vous êtes vraiment certain que la police ne sera pas au courant de ça. En vertu de l'article 69 des lois du ministère de Revenu, tout est confidentiel. J'imagine qu'il y a des limites. Si quelqu'un dit qu'il est tueur à gage puis qu'il a fait 200 000 $ comme tueur à gage l'an passé puis qu'il veut payer la TPS, la TVQ, vous allez vous asseoir avec lui en disant « OK, on va calculer ». Absolument, monsieur. C'est ce que nous ferions. Moi, disons que en ce qui concerne ma mission, c'est la mission du ministère, l'équité est le premier point de vue et c'est celle qui nous anime, nous, ici. Merci. Ça fait plaisir, monsieur. Bon, ben super. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci, au revoir. Sacre! C'est surréaliste! Vous êtes accro aux frontières.